Salut, c'est Seb, on est sur eRacing, on est en IMSA avec la Porsche RSR, donc pour une course qui va partir 45 minutes, donc comme vous voyez sur Road America. Alors, allez, on va se mettre en position. J'ai eu un petit problème, le serveur a crashé. Donc du coup, j'ai pas pu me qualifier. Pas le temps de le voir et le temps de relancer. Et ben je dois être mon dernier. Quasiment. Donc très dommage. Et ça commence très très bien. Ouais, je sais pas si c'est le jeu ou le serveur qui a crashé. Le temps que je m'en aperçoive de redémarrer, ben les qualifs étaient quasi terminés. Donc ça c'est toujours un petit peu dommageable. Mais bon. On va se concentrer. 45 minutes, c'est très très long. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait l'IMSA. J'espère que ça va rouler. Progresser ça, magnifique. Voilà, allez, on touche plus. Hop. Normalement, j'ai configuré toutes les touches. Allez, ça va partir. Aïe, ça commence déjà. Il y a déjà un sorry. Alors je ne sais pas encore au moment où je tourne la vidéo et que je débute la course si je vais tout vous mettre, parce que je ne cache pas 45 minutes. J'ai bien conscience que c'est pas forcément toujours intéressant. Donc en fonction de la course, je vous ferai des cuts ou des choses comme ça, on va bien voir. Bon, forcément en démarrant là où je démarre. 28e, ça va être très très compliqué de faire une perf. Bon, le soft doit être élevé, hein, ce qui me donne normalement une place de 26e par rapport à mon rating. Donc on va dire que tout ce qui sera devant, ce sera devant 26, ce sera du bénéf. On va essayer de pas trop bouffer les pneus. Mais je crois que le principal, on va essayer de pas se sortir. J'ai l'impression que le bruit de la caisse à l'extérieur est encore plus impressionnant que dans l'habitacle. Voilà les grandes courbes à droite, là il est assez compliqué à prendre. Une sorte de parabolique, on ne sait pas trop où rentrer, où sortir. C'est l'un des virages pour moi le plus compliqué du circuit. Les grilles de quasi 30, c'est toujours impressionnant. Pour ça que de temps en temps, j'aime bien rouler en IMSA. Même bon, si à mon niveau, les courses sont pas toujours très propres. Celui-là, il est pas évident non plus à prendre.
Ouais, bah ça va partir. Allez. Je pense qu'ils me font derrière freiner. Allez, il faut bien sortir parce que ça lance la longue ligne droite. Qu'est-ce qu'il me fait? Le problème c'est que si ça se crache devant, c'est terminé. Tu te le prends. Voilà, c'est là. Soit tu vas, soit tu temporises. On va se montrer. C'est impressionnant. Je vais freiner un peu. Regarde, on voit ça. Ça va faire peur au freinage tout ça. Faut juste savoir être patient. Allez derrière, on fait attention. Je vais freiner, hein, vous le savez.
Ouh! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, c'est chaud! Oh là 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 là, ça arrive de n'importe où! Qu'est-ce qui nous a ferré? C'est des malades! Ah putain, je me ferai prendre de partout! Allez, toi devant, je vais prendre ton aspi, toi! Là, je vous avoue, je sais pas ce qu'il fallait faire. Hein. Il était en plein milieu, il bougeait plus. Gauche, droite, j'ai à peine eu le temps de regarder dans mes rétros, donc. Avec pas mal lui. Hein. Erreur.
Allez, je suis bienvenu. Encore 10 tours de carburant. Devant il est prenable, je pense que ça devrait le faire. Je me suis fait peur, je pense que vous l'avez vu. Faut pas être stressé, conduite souple, pas surconduire. Il reste encore du temps. Un petit peu loupé là. Deuxième fois que je me fais avoir au même endroit, je vais le prendre trop large. Allez, tout à l'heure il était sorti un petit peu large, on va essayer de le mettre un petit peu à la faute. On va laisser passer, quitte à perdre un peu de temps. Je ne sais pas son niveau, je ne sais pas du tout comment il peut apprendre les choses. J'aime pas ça. Quand il y a un crash devant et que tu sais pas du tout ce qui se passe. Allez, une demi-heure. Je regarde pour choper mon point de freinage. C'est surtout là le prochain, faut pas que je loupe. Non, il a pris en même temps que moi. J'aurais pas non plus ici. Clear.
Ah, cette fois-ci, c'est lui qui a laissé tomber. Ah, non. Ah, j'ai fait le con. Je suis resté en troisième. Merde. Il joue bien le coup. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, mais il joue bien le coup. Là, je vais pouvoir aller à sa hauteur, mais ça va pas le faire. Pas trop mal. Ah putain, encore un foin. Devant, vous pouvez le voir, c'est un retardataire. J'espère qu'il va pas me faire chier. La vitesse où je vais, je devrais la rattraper, je pense, dans la ligne droite. Bon, alors devant. Pour l'instant, je suis 18ème. Et devant, c'est à 4 secondes. Derrière, il est sorti.
Bon, la boîte là devant, tu me laisses passer là. Allez, bouge. Merci. Alors, 17e. Donc 4 tours de carburant, après on ravitaille. Allez, je passe les 15e, il y a certainement, il est déjà au stand, je pense.
Bon, est-ce que je vais m'arrêter là? Je pense que oui. Allez, on tente, on tente, on tente. Allez, 35 litres, ça va le faire quand même. Il reste combien de temps? 15 minutes, ouais, 35 litres, c'est bon. Allez, faites que tout se passe bien. Allez, on remplit, on remplit, on remplit. On se dépêche, on change pas les pneus. Espérons que ça passe. Allez, il reste même pas 14 minutes.
Ça s'arrête pas encore. La preuve, je suis 18e. Ouais, c'était juste lui. Je sais pas encore s'il est plus rapide, on va vite s'en apercevoir, il a une seconde. Oh, je suis un peu inquiet là, ça s'arrête pas beaucoup. On va passer 17e. Il reste 10 minutes. Ça va plus s'arrêter devant. Ça s'était arrêté déjà avant. Donc il n'y a plus qu'à rouler pour rattraper. 16e. Devant, c'est à 3 secondes, un peu plus de 3 secondes. Marc Schwem, pour la 15e place. En partant, je ne sais plus, 29e, ce serait pas trop mal.
Ouais, j'ai pris large, je savais. C'est là où il faut pas se déconcentrer. Il nous reste 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. On fait à peu près 5 tours. C'est jouable, clairement c'est jouable. Faut pas que je perde mon temps, faut pas que j'aille trop vite. Ça va être de la gestion. Là j'ai voulu aller trop vite, j'ai loupé mon point de freinage, j'ai freiné un petit peu trop tard. Ah, il a repris un peu. Allez, c'est là, je dois pas me planter. Très bien, t'as repris. Une seconde 7, une seconde 6. Quatre minutes. Il faut encore que j'arrive derrière et après que je pousse à l'erreur. Donc c'est jouable, mais il faut pas perdre de temps. Ouais, j'ai mordu. Ouais, il a la pression avec sa BM. Allez, je suis bien. Voilà ce qu'elle a dans le ventre, ta BM. Ah, je suis devant. Tu dois baisser le pantalon. Alors, il me fait des appels de phare, je ne sais pas pourquoi. Jersey devant, il a 4 secondes, mais bon, autant dire c'est mort.
Je concentrerai avec celui qui est derrière sur ma course. Dernier tour. Ah, c'est con, je reviens sur celui de devant et j'aurai pas le temps. C'était une course très intéressante. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une de cette longueur. 45 minutes, ça fait longtemps. Ça me prépare pour l'endurance sur RF2 de 6 heures. Oh, je me suis fait peur là. Je vais commencer à fatiguer. Bon, on ne saura jamais à quel place j'aurais terminé si j'avais fait mes qualifs. Bref, c'est pas grave. Je me suis bien amusé. C'était tendu, c'était chaud. J'espère que vous avez apprécié la course. Et puis, je vous dis à une prochaine. Je vous mets les résultats comme d'habitude à la fin de la vidéo. Salut !